on vient d'apprendre le décès de la chanteuse Régine, l'interprète des Petits Papiers ou de la Grande Zoa. Elle fut aussi considérée comme une reine de la nuit avec les discothèques qu'elle a créées en France et à l'étranger, une vingtaine. Certaines portaient son nom, comme à Paris, près des Champs-Élysées. Régine avait 92 ans. Elle nous a quittés paisiblement ce matin à 11h, a annoncé sa petite fille. Philippe Dufresne revient sur sa carrière. Quand vient Marie, la Grande Zoa, et ses bijoux, ses chinchillas. À jamais, elle sera la reine de la nuit. Si elle est ancrée dans la culture populaire grâce à des chansons devenues cultes, Régine est avant tout une femme d'affaires qui, en 1956, ouvre sa première boîte de nuit chez Régine. Sa stratégie, afficher complet et refuser les clients à l'entrée. Je crois que les gens ne supportent pas d'être refusés. C'est vrai. J'ai compris ça très vite. Donc, j'ai décidé de faire des clubs privés. Ces gens étaient assez arrogants et ils disaient « Vous ne savez pas qui je suis ». Alors je les regardais naïvement, je disais « Mais vous non plus, vous ne savez pas qui je suis ». Et ça marche, le tout Paris sans canaille chez Régine. Les célébrités assurent la renommée de son établissement, alors elle décide d'aller plus loin, d'en faire un empire international en montant… Des boîtes de nuit, des clubs partout. Jusqu'à 25 établissements seront franchisés à travers le monde. Ils me logent et ils me donnent un pourcentage, voilà. C'est énorme. Ça dépend, c'est 5%, c'est comme la couture à peu près, 5, 6, 7%. Ses liens avec le showbiz lui ouvrent aussi naturellement les portes de la chanson. Si ses premiers titres sont signés Charles Aznavour et Henri Salvador. Laissez parler les petits papiers. C'est son amitié avec Gainsbourg qui va marquer sa discographie. Serge lui signera 17 chansons qu'elle interprétera sur les scènes du monde entier. Il m'a dit un jour, tu devrais chanter. J'ai dit pourquoi ? Il m'a dit parce que tu as une voix étrange. J'ai dit non, j'ai une voix rauque. Et il m'a dit non, tu as quelque chose dans la voix de... Tu devrais chanter. Si elle s'empare du tournant disco à la fin des années 70 et signe même la version française de I Will Survive, elle s'attachera plus à faire fructifier son empire dans les années 80. Régine rendra les clés de ses franchises en 2004, continuant quelques incursions dans le monde du disque, comme cet album de duo en 2009. Elle s'était même lancée dans sa première vraie tournée en 2015 à 85 ans, toujours prête à entonner ses classiques avec ses accessoires fétiches. Ce serait un homme, on dit ça, voilà.